Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et Voyez au choix. Nous sommes le 20 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la marche avec le Seigneur est bonne. Nous voulons passer un temps ensemble dans la parole, dans la prière. Merci Père Yahweh pour ton nom, ta grâce. Merci Seigneur encore de disposer nos cœurs. Merci de garder le vide de chacun d'entre nous. Merci encore Père pour tout ce que tu fais. Seigneur Père, tu es miséricordieux. Merci pour ton amour. Merci pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Merci Seigneur. Voilà, frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien et que nos vies sont remplies de vitamines spirituelles. Et avant de commencer, j'avais une petite annonce, une annonce, n'est-ce pas, à nous faire. Donc, nous aurons une réunion. Nous aurons une réunion d'édification du côté de Angers. Donc, ce week-end, le samedi 25 et le dimanche 26. Donc, le samedi 25 à partir de 15h et dimanche à partir de 11h. L'adresse de la salle, c'est la salle Plantagenêt, donc bâtiment du relais, le relais culturel. Voilà. Rue Victor Hugo, 49, c'est au 49 480 Verrières-en-Anjou. Voilà. Donc une réunion d'édification, donc 2 jours où on va passer, où on va manger la parole du Seigneur avec les frères et sœurs, et vous êtes tous invités. Voilà, donc nous allons refaire l'annonce aussi, hein, vous la reverrez, vous pouvez la voir aussi sur d'autres médias, Crieurs de Yoshua, vous allez pouvoir aller voir ça là-bas. Donc c'est la réunion d'édification, en tous les cas, on sera là-bas aussi. Alors, donc je disais le samedi 25 à partir de 15h et dimanche 26 à partir de 11h. Et voilà, vous avez l'affiche aussi des numéros que vous pouvez appeler. Donc un numéro pour appeler si jamais vous avez des questions. Donc n'hésitez surtout pas et nous vous attendons, nous vous attendons. Voilà, frères et sœurs. Et merci Seigneur. Et j'avais à cœur en tous les cas de partager une pensée, voilà, une pensée que le Seigneur nous communique, une piqûre de rappel que le Seigneur peut faire dans notre marche, voilà, pour ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui, n'est-ce pas, se posent des questions, pour ceux qui se demandent encore si le Seigneur Yeshua HaMashiach les aime, voilà. Si tu te demandais si le Seigneur t'aime encore, moi je peux te répondre avec assurance que le Seigneur aime tout le monde. C'est le péché que le Seigneur n'aime pas. Voilà. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime, mais c'est le péché qui nous éloigne. C'est le péché qui nous éloigne, n'est-ce pas, du maître, maître Yeshua HaMashiach, parce que notre papa ne se mélange pas. Voilà. Il ne se mélange pas. Et la preuve en est, il est actuellement en train de plaider ta cause. Voilà. Le Seigneur plaide notre cause auprès du maître, voilà, et c'est de ça que nous allons parler. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans 1 Jean 2. Merci Seigneur, je prends la lecture. Mes petits enfants, donc verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclétos auprès du Père Yehoshua Mashiach le juste. Voilà. Donc, la Bible est claire ici, hein, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclétos auprès du Père Yehoshua HaMashiach. Donc, paraclétos égale avocat. Voilà. Et un avocat, nous savons que c'est celui qui défend la cause d'autrui. C'est celui qui défend la cause d'un autre. Amen. Et alors, comment n'est-ce pas le Seigneur défend-il notre cause? Amen. Donc, lorsque nous prenons, merci Seigneur, on va voir que Yehoshua, notre paraclétos, donc le mot paraclétos, c'est un mot grec qui signifie convoquer, appeler aux côtés. Donc, Yehoshua est appelé, n'est-ce pas, il a été convoqué à nos côtés, il a été appelé, n'est-ce pas, il a agi, n'est-ce pas, à nos côtés. Il est, paraclétos veut aussi dire appelé à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, paraclétos, un juge, un plaideur. Voilà, nous parlons, n'est-ce pas, de Yeshua étant, n'est-ce pas, notre paraclétos. En conseil pour la défense, voilà. Tout ça tourne autour, n'est-ce pas, de l'avocat, du juge. Et il est dit, n'est-ce pas, un assistant légal.
Donc là, nous sommes dans 1 Jean 2, à partir du verset 1. Donc c'est un avocat. Ce mot se trouve également dans 1 Jean 14 et 16, voilà, où il est appliqué au Saint-Esprit. Waouh, le Saint-Esprit est notre avocat, frères et sœurs. Le Seigneur exerce actuellement la fonction de paraclétos ou d'avocat pour nous au ciel. Voilà. Le Seigneur exerce, n'est-ce pas, cette fonction actuellement pour toi, au quotidien, au quotidien, au quotidien. Merci Seigneur, alléluia, c'est magnifique. Alors, on va voir quelque chose dans merci Seigneur, qui, Romains 8, voilà, une pensée me vient, Romains 8, 33. Il est dit, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Mon frère, ma sœur, tu es l'élu d'Élohim. Tu as été élu, n'est-ce pas, parce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. J'ai été élu parce que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et le Seigneur dira, qui s'avancera, Romains 8, 33 dit, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Voilà, Élohim est celui qui les justifie. C'est magnifique, Seigneur. Merci, Père. Et vraiment, la pensée, n'est-ce pas, qui me venait lorsque je lisais, lorsque j'ai lu 1 Jean 2, 1, Yahushua, notre avocat. Notre avocat, parce que souvenons-nous, frères et sœurs, que l'ennemi est appelé, n'est-ce pas, accusateur. Il passe son temps à t'accuser. Et il va même t'accuser faussement. Voilà pourquoi tu vas voir que beaucoup, n'est-ce pas, des gens autour de toi vont parfois t'accuser faussement. Ils vont, n'est-ce pas, t'imputer des choses que tu n'as pas faites. Ils vont t'imputer des choses que tu n'as pas dites. Ils vont, n'est-ce pas, vouloir te rallier à des choses que tu n'as pas faites. Pourquoi? Eh bien, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Mais tu es un paraclétos. Tu as, n'est-ce pas, Yahushua Mashiach qui te défend. Il plaide ta cause au quotidien. Tu vois, lorsque tu passes, n'est-ce pas, du temps dans la prière, lorsque tout ce que tu fais, n'est-ce pas, et que les hommes ne voient pas, eh bien, Yahushua qui est au ciel, il voit et il plaide ta cause. Et voilà pourquoi il dira que vos noms, leurs noms, nos noms, n'est-ce pas, sont inscrits dans le livre de vie. Parce que Yahushua parle de toi. Yahushua parle de toi. Yahushua parle de moi, mon frère, ma soeur. Si tu étais fatigué, si tu avais l'impression que le Seigneur, n'est-ce pas, ne t'écoute plus, non, mon frère, fais l'œuvre du Seigneur. Marche, n'est-ce pas, fais ce que le Seigneur te dit. Lève-toi, prie, mon frère, ma soeur, prie. Tu as un avocat, tu as quelqu'un qui te défend. C'est le Paraclétos. Le Paraclétos. Voilà. Auprès du Père. Et en plus, il te défend auprès du Maître. Le Maître. Le Juste. Donc, Yahushua est convoqué à tes côtés. Appelé à tes côtés. Appelé à l'aide. Celui qui plaide, n'est-ce pas, la cause d'autrui. Mais c'est magnifique. Merci Seigneur. Regardons. Voyons quelque chose. Merci Père. Ton nom est vraiment béni. Hébreux 7, là-bas, nous allons voir quelque chose aussi. C'est vraiment, je ne serai pas long, c'est vraiment une petite pensée pour nous encourager parce que de temps en temps, vous savez, dans la marche comme ça, nous pouvons avoir des temps de faiblesse, des temps de doute, des temps de questionnement. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous rajoute des vitamines spirituelles. Voilà, le Seigneur nous rajoute des vitamines spirituelles. Et je veux croire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur va encore booster ta foi. Booster ta foi ce matin, ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter, n'est-ce pas, ce voice, ce partage, mais que le Seigneur, sache que le Seigneur plaide ta cause et que tu n'es pas seul. Tu sais, lorsque tu te retrouves, n'est-ce pas, seul en train de prier, lorsque tu te retrouves seul, lorsque tu fais le bilan, tu dis que l'être humain t'a abandonné, lorsque tu dis que les hommes t'ont abandonné, lorsque tu dis, n'est-ce pas, que tout le monde va, n'est-ce pas, à l'encontre de la parole, lorsque tu as l'impression que tu te sens seul, sache. N'est-ce pas? Et que tu sais, on t'accuse, n'est-ce pas, de faussement, on t'accuse. Mais mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Tu as un paraclétos, tu as un juge, tu as quelqu'un à tes côtés, tu as Yahushua HaMashiach, le juste juge. Et c'est lui l'avocat par excellence. Oh, Mashiach, merci Père. Tu es magnifique, papa. Hébreux 7, 25. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Yehoshua intercède. En fait, waouh, Yehoshua parle de toi.
Yahushua parle de moi. Yahushua parle de moi à notre papa. Yahushua, homme, parle, n'est-ce pas, de moi à notre papa. Mais c'est magnifique, ça veut dire quoi? Papa me connaît. Il dit, voilà, il dit, papa, je te présente le cas de Suzanne, je te présente le cas de Patrick, je te présente le cas de Robert, je te présente le cas de... Tu vois, il te connaît. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, je les appelle par leur nom. Ouh, tu n'es pas seul. L'avocat par excellence t'appelle par ton nom. Il te connaît. Pourquoi? Parce que vous avez une relation. Tu as une relation avec le maître. Tu as une relation avec notre papa. Donc, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim, n'est-ce pas, par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder. Pour eux, intercéder, on va voir un petit peu là. Ça va nous encourager, ça va nous aider. Merci Père, c'est important. Regarde, il est dit, le Seigneur Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ, est le modèle parfait en ce qui concerne la prière d'intercession. Donc, un avocat, nous comprenons aussi, un avocat, on a dit qu'il travaille aux côtés. Il travaille à l'aide. Donc, il intercède. Le Paraclétos intercède. Il prie pour toi. Waouh! C'est magnifique. Donc, le Seigneur Yahushua Mashiach est le modèle parfait en ce qui concerne la prière d'intercession. Il se tient devant le Père pour nous. Yahushua, homme, se tient devant le Père pour nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Papa se tient devant le Père pour toi, pour moi. Il se tient devant le Père, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce qu'il va plaider ta cause auprès du Père. Et voilà comment tu peux, toi, tu peux, donne tout ce que tu as, n'est-ce pas? Dépose tout ça à ses pieds. Et lui, il va plaider ta cause auprès du Père. Alléluia, Yahushua, homme. Il se tient devant le Père pour nous en tant qu'homme. Voilà. Le grand prêtre, donc il se tient entre... Regardons quelque chose. Il se tient entre le Père et l'homme pécheur. Donc là, lui, il est là au milieu. Donc si tu as péché dans ton intimité, va voir, n'est-ce pas, Yahushua HaMashiach. Prie. Présente-lui ta cause. Et lui, il va faire monter les prières, monter, n'est-ce pas, tes besoins auprès, n'est-ce pas, de notre papa, Yahushua. Comme le faisait, regarde, il est dit, n'est-ce pas, comme le faisaient les prêtres sous la loi mosaïque. Et effectivement, c'est comme ça que, tu vois, waouh. Donc ça veut dire qu'on a même le mandat aussi, mon frère, ma soeur, tu as le mandat aussi, alléluia, c'est magnifique. Voilà pourquoi le Seigneur fait aussi de toi, parce que toi-même, moi-même, je suis un intercesseur aussi. Parce qu'il est dit l'intercesseur, n'est-ce pas, le modèle parfait en ce qui concerne la prière d'intercession, il est dit c'est Yahushua HaMashiach. Et il dira, soyez mes imitateurs en toutes choses. Et on nous apprend aussi, n'est-ce pas, que sous la loi mosaïque, n'est-ce pas, c'était les prêtres qui avaient, n'est-ce pas, cette fonction. Et Yahushua dira, la Bible nous enseigne qu'il a fait de nous des prêtres. Donc nous sommes, alléluia, nous sommes aussi des intercesseurs. Mon frère, ma soeur, la prière d'intercession. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu ne te fatigues pas, tu peux te lever, tu as le mandat pour prier pour tes frères et soeurs, tu as le mandat pour prier pour l'Église, tu as le mandat pour prier, pour intercéder. Donc toi aussi, n'est-ce pas, tu peux te mettre devant le Père, n'est-ce pas, devant le Père, Yahushua Mashiach, Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Et en tant qu'homme, tu peux te mettre devant lui et intercéder pour ta famille, intercéder pour ton épouse, intercéder pour ton époux, intercéder pour cette situation, intercéder, n'est-ce pas, pour ta nation, pour ta famille, intercéder pour, n'est-ce pas, pour les temps de la fin, intercéder, n'est-ce pas, pour que ton fils, ta fille soit touché par le Seigneur, soit touché par la parole, intercéder, n'est-ce pas, pour que toi-même tu arrêtes la cigarette, que tu sortes, n'est-ce pas, de la masturbation, de tout ce qui n'élève pas le Seigneur. Oui, tu as le mandat pour le faire. Regarde, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. On se laisse conduire. Waouh, Seigneur, merci. Merci Père, ton nom est béni. Luc, merci Papa. Qu'est-ce que nous apprenons là-bas? Waouh. Luc 22, 31. Il y a quelque chose qui vient ici. Merci Père. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, ça c'est Yahushua qui parle ici, ça il dit,
Il va dire, n'est-ce pas, mais Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia, alléluia. Ouf, le paraclétos. Ouf, regarde comment il a pris la fonction d'avocat auprès du Père. Il va dire, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne, la foi ne vienne pas à te manquer. Tu vois, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Mon frère, ma sœur, tu as le mandat pour prier pour que ton épouse se relève. Que la foi ne lui manque pas. Tu as le mandat, n'est-ce pas, pour prier. C'est ça la prière d'intercession. Les intercesseurs, le Seigneur a fait de nous des intercesseurs. Parce que tu as ce mandat, parce que tu es prêtre. Parce que tu fais partie, n'est-ce pas, du sacerdoce royal. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière, intercéder pour tous les sujets, n'est-ce pas, qui peuvent te monter, n'est-ce pas, en esprit, tous les sujets, n'est-ce pas, dont tu as connaissance. Mon frère, ma sœur, prie, tu as le mandat pour cela. Tu as le mandat pour cela. Mets-toi devant le Père, parce que tu as le mandat pour cela, mon frère, ma sœur. Le Seigneur va dire, il a prié, n'est-ce pas, pour que, merci Père, pour que Shimon, n'est-ce pas, ne perde pas foi. Ouf, il a prié pour que Shimon ne perde pas foi. Mais moi, j'ai prié pour toi afin qu'il ne te vienne pas de manquer de foi. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables aussi. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables aussi de par la prière. Intercède, mon frère, ma sœur, l'intercession, parce que tu as, n'est-ce pas, ce rôle d'intercesseur. Yehoshua est l'intercesseur par excellence, le paraclétos, celui qui agit auprès. Voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, dira de prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. C'est ça. Nous devons être les uns avec les autres, n'est-ce pas, dans la prière. Là où deux, trois sont réunis en mon nom. Lorsque nous intercessons à deux, trois, n'est-ce pas, il dit il est au milieu parce que c'est un conseil d'avocat. C'est un conseil, n'est-ce pas, d'intercesseur. Voilà pourquoi il agit puissamment lorsque nous intercédons. Lorsque nous prions, n'est-ce pas, à deux, trois. Oui, voilà pourquoi le Seigneur Yeshua Mashiach agit. Oh, la prière efficace, l'intercession, mon frère, ma sœur. Lève-toi, Seigneur. Merci encore, papa. Si tu n'étais pas un intercesseur, mon frère, ma sœur, à partir de ce soir, lève-toi, prie, lève-toi, intercède. Tu as, n'est-ce pas, les épaules, tu as le manteau pour cela, mon frère, ma sœur. Lève-toi, prie. Tu vois le sujet qui te dérange, mon frère, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Yehoshua, homme, Luc 22, 31. Tu vois, Satan voulait cribler, n'est-ce pas, Shimon. Et le Seigneur veut lui dire, mais moi, j'ai prié pour toi. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui viendront te voir. Sache que c'est une grâce particulière que tu as reçue. Des gens viendront te voir, t'exposer, n'est-ce pas, leurs problèmes. Ils te diront, mon frère, ma sœur, prie pour moi. Tu vois, c'est biblique, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais des gens viendront te voir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu cette grâce-là particulière qui est sur toi, mon frère. Mets-toi debout, lève-toi et prie. Prie, n'est-ce pas, pour les sujets que tu auras. Prie, n'est-ce pas, pour eux. Prie, n'est-ce pas, pour eux. Afin, n'est-ce pas, que leur foi, n'est-ce pas, ne diminue pas. Voilà. C'est écrit, merci Père, c'est magnifique Seigneur, merci. Ouh Seigneur, papa, regardons, merci Père, il y a quelque chose qui me regardait. Allez, merci Seigneur, hop, et merci papa, je cherche quelque chose. Nous connaissons un intercesseur, Abraham. Nous savons que notre frère Abraham, n'est-ce pas, avait, hop, je cherche quelque chose là. Ouais, je crois que c'est... Amen. Merci Seigneur. Genèse 18, frères et sœurs, nous sommes dans Genèse 18 à partir du verset 23. Voilà, on va prendre la lecture. Tu vois, le petit titre ici, c'est Intercession d'Abraham. Donc, tu vois que même les hommes peuvent intercéder. C'est vraiment important, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous devons intercéder, en fait. L'intercession doit faire partie de notre quotidien. C'est la prière, hein? C'est clairement la prière, mais sauf que ben, là, tu intercèdes, tu te mets entre le Seigneur, n'est-ce pas, et une personne.
où tu te mets, n'est-ce pas, à ses côtés, où tu lui viens en aide de par la prière. Tu vois? Donc, ça veut dire que qu'est-ce que nous devons aussi comprendre, mes frères, mes sœurs? Quelqu'un qui te demande de l'aide, ce n'est pas forcément de l'argent qu'il te demande, ce n'est pas forcément un vêtement, ce n'est pas forcément, je ne sais pas, ce n'est pas forcément du bien matériel. Cette personne a besoin d'être fortifiée spirituellement. Shimon, n'est-ce pas, le Seigneur a prié, n'est-ce pas, le Seigneur aurait pu, enfin, le Seigneur aurait pu, je ne sais pas moi, chasser lui-même, n'est-ce pas, ce démon-là, Satan qui voulait, n'est-ce pas, le cribler. Mais il est dit, il lui a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi, n'est-ce pas, la foi ne vienne pas à te manquer. Mais le Seigneur aurait pu chasser, n'est-ce pas, ce démon. Le Seigneur n'a pas chassé, il a dit, mais je prie afin que la foi, qu'il ne te manque pas la foi. En fait, je prie pour que ta marche, n'est-ce pas, que tu continues à marcher avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, voilà comment tu dois prier pour les frères et sœurs. Tu dois prier pour que les frères et sœurs ne baissent pas les bras dans leur marche. Et qu'est-ce que ça nous apprend aussi? Ce n'est pas nous, n'est-ce pas, qui sauvons, c'est le Maître, c'est Yahushua. Moi, je ne peux que prier pour toi. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas, frères et sœurs aussi, qu'est-ce que nous devons aussi comprendre? Ne nous accrochons pas, n'est-ce pas, au prédicateur. Voilà. Parce que le prédicateur, il ne peut que prier pour toi, mais la décision finale appartient au maître. Voilà, Yahushua, homme, dira, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, afin qu'il ne te vienne pas à manquer de foi. Alléluia, alléluia. Abraham, regardons quelque chose, Genèse 18, à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, donc il va s'approcher, n'est-ce pas, du maître, et il va dire, voilà, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Donc il devait aller, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorre. Il devait aller détruire complètement la ville. Et voici, n'est-ce pas, Abraham qui s'approche, n'est-ce pas, du maître. Abraham donc se tenant encore debout. Si nous voyons à partir du verset, je vais même prendre le... Alors, hop, je prends à partir du verset 21, Genèse 18, 21. Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi tout à fait selon le cri de détresse qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Les hommes se détournèrent de là et allèrent vers Sodome. Abraham se tenait encore devant et en face de Yahweh. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Yahushua va lui répondre au verset 25. Loin de toi, c'est pas Yahushua, c'est Abraham qui parle, il dit, loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant, loin de toi celui qui est juste. Voilà. Celui qui est juste juge, celui qui juge la terre, ne fera-t-il pas justice? Tu vois que là, Abraham est, n'est-ce pas, en train d'intercéder pour quelques justes qui se trouveraient, n'est-ce pas, dans Sodome et Gomorre, frères et sœurs. Et au verset 26, Genèse 18, 26, le Seigneur va lui répondre, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Tu vois? Le pardon viendrait, n'est-ce pas, à cause des 50 justes qui se trouveraient dans la ville. Mais c'est l'intercession d'Abraham. Abraham, n'est-ce pas, vient se mettre, n'est-ce pas, entre les pécheurs, entre les justes, n'est-ce pas, et Elohim et Yahushua. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est mon rôle. Bah oui, quand les gens viennent te voir et te disent, mon frère, ma soeur, prie pour moi. Mais voilà, tu vois, les 50 justes là. Et verset 27, Abraham répondit en disant, voici s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. Tu vois, moi qui ne suis que poussière et cendre. Il s'est résolu, n'est-ce pas, à parler à Adonai. Et on y voit de la persévérance. On voit la persévérance ici. Parce que le Seigneur a dit, mais si je vois 50 juste là, eh ben je pardonnerai à toute la ville. Mais mon frère, mon père, n'est-ce pas, Abraham va dire au verset 27, en disant, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être en manquera-t-il 5 dans les 50. Détruiras-tu toute la ville à cause de ces 5?
Il dit, je ne détruirai pas si j'y trouve 45. Waouh! Au début, on était à 50 et maintenant on est passé à 45. Au verset 29, il dit, il continua encore de lui parler en disant, peut-être en trouvera-t-il 40. Et il dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Waouh, Seigneur, l'intercession! L'intercession. Donc, il a continué, il a martelé, il a, n'est-ce pas, nous voyons que à l'intercession, n'est-ce pas, ne fais pas ça une fois, ne fais pas ça deux fois, fais ça jusqu'à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, te réponde, mon frère, ma soeur. À l'intercession, tu dois, n'est-ce pas, y joindre, n'est-ce pas, de la persévérance. À l'intercession, tu y joins la persévérance, mon frère, ma soeur. Voilà. À l'intercession, tu joins la persévérance. Parce qu'au départ, il était question, n'est-ce pas, de 50 personnes. Et après, on est passé à 45. Et après, il parle, il prie encore au Seigneur et dit, non, je sais que tu es juste. Tu vois, là, on a l'impression que c'est une discussion. Mais en fait, ce sont des temps, n'est-ce pas, que nous devons prendre aussi pour intercéder. Voilà. Ce sont des temps que nous devons prendre pour intercéder. Au verset 29, il continue encore de lui parler en disant, peut-être y en aura-t-il 40. Et il dit, je ne lui ferai rien, n'est-ce pas, à cette ville-là à cause de ses 40. Et au verset 30, Abraham dit, s'il te plaît, qu'Adonaï ne se fâche pas. Il dit, s'il te plaît, qu'Adonaï ne se fâche pas si je parle. Peut-être s'y trouvera-t-il que 30. Et Yahweh dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30. 30 juste. Au début, on était à 50 frères et sœurs. Vous avez vu? C'est l'image, en fait, de la persévérance. Persévère. Persévère dans ce que tu fais. Persévère dans la prière. Persévère. Alléluia. Alléluia. Abraham, l'intercesseur par excellence, c'est Yahushua HaMashiach, parce qu'il intercède auprès du Maître, n'est-ce pas, au quotidien pour nous. Oh oui. Yahushua HaMashiach, le Paraclétos par excellence. Regarde, Genèse 18, 31. On était à 30 juste. Et au verset 31, Abraham dit, voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, peut-être s'y trouvera-t-il 20. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Au verset 32, il dit, s'il te plaît, Adonai. Waouh, il était vraiment persévérant. Amen, alléluia. C'est beau ça. C'est beau. Merci, Père. Au verset 32, il dit, s'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas, je parlerai encore une seule fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10. Et il dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Yahweh s'en alla quand il lui achevait de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Au début, il a négocié, parlé, prié, n'est-ce pas, pour 50 justes, ensuite 30, ensuite 40, ensuite 20, ensuite 10. C'est simplement la persévérance. Tu vois, il a plaidé la cause, n'est-ce pas, de ces justes. Parce que le Seigneur voulait détruire toute la ville. Mais, tu vois, il a prié, prié, prié. Il a parlé, n'est-ce pas, au Seigneur. Oh, il y a des situations comme ça que les gens viendront, n'est-ce pas, te soumettre. Mon frère, prie, prie pour eux. Prie pour eux. Nous avons vu, n'est-ce pas, parce que c'est le rôle, c'est le paracléto, c'est le rôle, n'est-ce pas, de l'avocat. L'avocat, n'est-ce pas, qui est aux côtés, qui est appelé, n'est-ce pas? Merci Seigneur, on va aller le revoir là-bas. Hébreux 7, je crois que c'est ça, Hébreux 7, 25. Père, tu es béni. Merci Seigneur, parce que je crois que le Seigneur nous fait du bien. Merci Papa, le Seigneur nous fait du bien. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Voilà, tu vois, il intercédait pour eux, il intercède pour ceux qui s'approchent de lui. Et on nous dit que le Seigneur Yahushua, je reprends la lecture, le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, est le modèle parfait en ce qui concerne la prière d'intercession. Donc il se tient devant le Père, exactement comme Abraham se tenait devant le Père. Abraham se tenait devant Yahweh. Et il intercédait, n'est-ce pas, pour ces justes-là. Il intercédait pour ces justes-là. Le Seigneur nous a montré, n'est-ce pas, comment intercéder, n'est-ce pas? Et il a prié auprès, n'est-ce pas, du Père pour que la foi, n'est-ce pas, de Shimon, n'est-ce pas, ne vienne pas à diminuer. Et voilà comment toi aussi, au quotidien, bah, tu vas prier pour les frères et sœurs afin que leur foi ne diminue pas.
Tu vois? Et l'intercession, donc nous comprenons aussi que l'intercession est aussi liée, n'est-ce pas, à la vie de prière au quotidien. Voilà pourquoi le Seigneur fera de nous, il a fait de nous, et on nous apprend, n'est-ce pas, que eh ben, les prêtres, n'est-ce pas, sous la loi mosaïque, n'est-ce pas, intercédaient, c'était leur rôle, n'est-ce pas, de prêtre, que d'intercéder, n'est-ce pas, pour le peuple. Et aujourd'hui, nous sommes en temps de grâce, n'est-ce pas? Et nous savons en temps de grâce que Yeshua, alléluia, a fait de nous un royaume de prêtres. Tu vois, donc ça va avec la fonction. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois aimer, n'est-ce pas, la prière. Voilà pourquoi tu dois aimer, n'est-ce pas, l'intercession. 1 Jean chapitre 2, merci Père. Oh, alléluia, merci Papa. Ton nom est béni, merci Père. Merci Seigneur, le Paraclétos. Juste, on se rappelle, n'est-ce pas, que notre Paraclétos, donc le mot signifie convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre. Abraham a plaidé la cause, n'est-ce pas, de 50 justes là-bas. Vous avez vu? Donc c'est aussi ton rôle, c'est aussi mon rôle, n'est-ce pas, que de plaider la cause, plaidons la cause des uns des autres. C'est aussi ça l'Église. C'est aussi ça que d'aimer son prochain. C'est plaider sa cause. Tu vois l'orphelin, mon frère, plaide la cause, n'est-ce pas, de l'orphelin. Tu vois, n'est-ce pas, la veuve plaide la cause de la cause, n'est-ce pas, d'une veuve. Plaide la cause, n'est-ce pas, de ta famille, des problèmes qu'il y a dans ta famille, soumets-les au Seigneur. Voilà. Et vraiment, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur, n'est-ce pas, se souvienne, n'est-ce pas, de chacun d'entre nous. Nous ne serons pas longs. Yeshua, le Paracletos, c'était vraiment important de nous souvenir, n'est-ce pas, que Yeshua a intercédé pour nous et il intercède encore pour nous. Yeshua homme, je veux préciser, c'est Yeshua homme, n'est-ce pas, qui intercède auprès du Père. Voilà, Yeshua fils, donc Yeshua homme, n'est-ce pas, intercède au quotidien, n'est-ce pas, auprès du Père. Donc il, et en plus, il connaît, il a dit, mes brebis, n'est-ce pas, entendent ma voix, n'est-ce pas, je les connais, elles me connaissent, je les appelle par leur nom. Donc frère, sœur, le Seigneur, n'est-ce pas, te connaît. Donc voilà pourquoi il peut plaider ta cause. Voilà, quelqu'un qui te connaît, il peut plaider ta cause, il dit non. Papa ne fait pas attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas, sur lui. Moi, je sais, je vois, je suis le Saint-Esprit. Tu vois, l'Esprit, n'est-ce pas, du Maître, plaide ta cause. Voilà. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage, n'est-ce pas, que nous sommes enfants d'Élohim. Pourquoi? Parce que l'Esprit, hop, n'est-ce pas, lorsque tu te mets dans la prière, tu pries, le Seigneur atteste de par son Esprit. Parce que l'Esprit plaide ta cause. Alléluia. L'Esprit atteste, n'est-ce pas, que tu es enfant du Seigneur. Alléluia. L'Esprit, lorsque tu ouvres la bouche, n'est-ce pas, le Seigneur agit. C'est aussi ça, n'est-ce pas, parce que tu as l'habitude d'intercéder, tu as l'habitude de passer du temps dans la prière. Alléluia. Merci, papa. Seigneur, merci encore pour mes frères et sœurs. Merci d'encourager, de fortifier, Seigneur, ceux qui étaient fatigués, ceux, n'est-ce pas, qui avaient perdu, n'est-ce pas, le mandat, Seigneur, Père, ceux qui avaient perdu, n'est-ce pas, la force. N'est-ce pas, ceux qui étaient fatigués, Seigneur, papa, merci de remplir, Seigneur, encore tes enfants, tes fils, tes filles. Oh, merci, papa. Fais, n'est-ce pas, fais, Seigneur, Père, tu as fait, n'est-ce pas, de nous des intercesseurs, Seigneur. Merci, nous sommes un sacerdoce royal, Seigneur. Merci encore, papa, pour mes frères et sœurs, Père. Merci pour tout ce que tu feras. Nous croyons que tu es Yeshua HaMashiach. Nous croyons que tu reviens bientôt. Et nous croyons, Seigneur, Père, que tu fais du bien, Seigneur, à notre esprit, Seigneur, papa. Et nous croyons, Seigneur, Père, que, Seigneur, sans toi, Yeshua, Seigneur, Père, nous sommes perdus. Mais nous savons, Seigneur, Père, que tu ne nous abandonneras pas. Nous le croyons, papa. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur Yeshua. Nous te bénissons, Seigneur Père. Merci encore, papa, pour ces temps. Père, merci pour tout ce que tu feras dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, papa. Voilà, frères et sœurs, c'était la petite pensée que je voulais vous partager. Soyons encouragés. À bientôt sur Viens et vois Yeshua. Que le Seigneur garde chacun d'entre nous. Et nous nous disons à bientôt. Amen.